Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Caru-Quéraland. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Caru-Quéraland, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Au niveau de la route du Rhum, des skippers également que nous avons accompagnés. Nous avons 7 skippers, dont Kenny Piperol, et nous avons Rodolphe Sefo et bien d'autres. Et donc aujourd'hui, nous mettons en avant des hommes et des femmes qui valorisent notre territoire. Et nous mettons également les skippers, mais il faut savoir que nous mettons aussi des acteurs économiques, nos artisans, nos commerçants qui sont sur le village et qui font découvrir aux Malouins, qui font découvrir à la population, aux visiteurs, les saveurs, les goûts, les couleurs de la Guadeloupe. On a l'impression d'être en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a l'impression d'être en Guadeloupe. On sent bien l'odeur des acras, des bokites, des plats effectivement qui sont cuisinés ici. Et c'est vrai que c'est un véritable avantage d'avoir ce dôme où on retrouve exactement beaucoup de territoires, de collectivités qui sont également représentées. C'est vrai que c'est patronné par la région, mais vous avez voulu faire place à tout un chacun ici dans ce village. Tout à fait. Et il faut savoir que la région Guadeloupe travaille en collaboration, bien sûr, avec le CTIG qui fait la promotion touristique. Mais nous avons également des partenaires, puisque au travers de notre schéma régional de développement économique que nous mettons en œuvre, et, c'est l'ensemble des institutions, l'ensemble des communautés d'agglomération avec qui nous travaillons. Et nous avons souhaité cette année, avec cette route du Rhum, que tout le territoire guadeloupéen soit dynamique. Et c'est pour ça qu'au travers des communautés d'agglo, Nord Grande Terre, Sud Grande Terre, Nord Basse-Terre, Sud Basse-Terre, même à Marie-Galante, toutes les communes de Guadeloupe doivent jouer le jeu et dynamiser leur territoire. Et donc il y a eu des appels aussi à projets pour que ceux qui souhaitent et qui peuvent justement proposer des actions sur leur territoire, eh bien qu'ils puissent faire découvrir aux touristes, aux Malouins, puisqu'aujourd'hui, on a des Guadeloupéens qui sont à Saint-Malo, mais on souhaite aussi faire découvrir la Guadeloupe aux visiteurs, aux touristes. Donc, effectivement, au-delà des deux villages qui sont en préparation hein, en Guadeloupe, notamment le village qui est sur le mémorial Acte à Pointe-à-Pitre, mais aussi sur la ville de Basse-Terre, au-delà de ces deux villages qui seront vraiment très attractifs avec des produits locaux, avec, on mettra vraiment en valeur nos savoir-faire. Et donc, au-delà de ces deux villages, c'est quasiment tout le territoire de la Guadeloupe qu'on souhaite mettre en valeur. Territoires effectivement qui seront donc mis en valeur pour les visiteurs qui sont déjà sur place, qui sont également attendus, puisque l'objectif c'est vraiment de faciliter cet échange, d'ouvrir encore plus les portes de la Guadeloupe à tous ceux qui le souhaitent et de faire connaître notre île. Tout à fait. La Guadeloupe est une très belle île. On a la Guadeloupe, mais on a Marie-Galante à découvrir avec ses trésors. On a la Désirade, on a l'Estaing, Terre de Haut, Terre de Bas. Et donc, on veut véritablement dynamiser tout notre territoire et accompagner notamment nos acteurs hein, qui ont des potentiels énormes. Et il faut savoir que la région Guadeloupe, en tant que chef de file du développement économique, a travaillé en amont de cette route du Rhum, mais aussi en aval. En amont parce que nous avons accompagné nos giteurs, nos hôteliers pour qu'ils puissent monter en gamme et proposer des produits de qualité à ceux qui nous visitent, mais aussi à nos résidents. Nous avons également accompagné les marins pêcheurs, nous avons accompagné les agriculteurs. On connaît toutes les problématiques. Donc la région a mis le paquet pour faire en sorte que cette année, les acteurs, c'est vrai qu'il y a certainement des acteurs qui veulent plus, et c'est tout à fait normal parce que cette crise sanitaire a impacté l'économie même de la Guadeloupe. Mais il faut savoir que la région travaille vraiment, véritablement
pour que nos acteurs puissent vraiment sortir la tête de l'eau et booster l'économie guadeloupéenne. Et nous avons mis en place notamment des actions d'accompagnement financier, mais aussi des actions en termes d'événements. Alors, la visite des spiritueux avec les 100 experts qui sont venus sur le territoire et au travers du concours Spirit Sélection, c'est un concours international, c'était là aussi pour valoriser nos Roms. Et donc, ce sont des événements qui sont majeurs et qui permettent de mettre de la visibilité, de la lisibilité sur ce que nous faisons, sur nos potentiels, nos savoir-faire. Et au-delà de cela, il y a eu plusieurs actions sur les territoires pour annoncer aussi cette route du Rhum. Et bien sûr, en novembre, nous avons l'arrivée des candidates à Miss France. Et donc, la Guadeloupe est terre d'accueil, va accueillir ces candidates fin novembre pour préparer justement Miss France qui va se dérouler au mois de décembre. Vous parliez tout à l'heure de cet accompagnement de la région avec les différents acteurs. Vous êtes également donc aux côtés des skippers, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi en fait dans ce système de, on va dire, de maillage entre eux, donc les skippers qui ont fait le choix de s'alimenter avec des produits locaux sur le trajet, sur le parcours de cette route du Rhum, et qui ont travaillé aussi étroitement avec donc des acteurs locaux pour pouvoir arriver justement et faire aboutir ce projet. Tout à fait. Et là, on le disait, hein, effectivement, la route du Rhum, c'est vraiment transversal. Ça touche quasiment tous les domaines, l'économie bleue, l'économie verte. Je viens de voir le chef Le Riche qui est passé, qui est présent sur le site. C'est un chef cuisinier qui a travaillé il n'y a pas si longtemps sur un concours à Bémao avec le chef Bibrac. Et lors de ce concours, nous avons... La région Guadeloupe a souhaité que le jeune vainqueur qui a gagné ce concours soit présent sur le site. Et c'est véritablement les savoir-faire guadeloupéens qui sont mis à l'honneur aujourd'hui au niveau de la gastronomie et de faire découvrir la gastronomie à ceux qui visitent le site, le village aujourd'hui. Et donc, dans le même ballon, oui, avec Rodolphe Seffaud, vous avez entendu son interview. Vraiment, on voit comment Rodolphe vit. Il n'est même pas encore parti en mer, mais il vit déjà la route du Rhum. Et il joue ce rôle d'ambassadeur, je dirais, de la gastronomie, puisqu'il a demandé à un chef cuisinier de lui concocter, de lui préparer des produits en package, qu'il peut cuisiner, je crois, en moins de 3 minutes, parce que bien sûr, quand on est sur un bateau, on ne va pas pouvoir faire la cuisine comme on voudrait, mais on veut quand même sentir le goût de la Guadeloupe. Et donc, c'est ça aussi, c'est mettre en avant la gastronomie guadeloupéenne. Et il faut innover. Et la Guadeloupe, la région Guadeloupe, accompagne les acteurs pour innover, pour proposer des produits vraiment de choix. Et au travers de cette route du Rhum, on voit toute la diversité que peut proposer notre belle île de Guadeloupe. Je suppose également, pour finir, que vous vous projetez aussi déjà sur la prochaine route du Rhum, puisque bon, elle va arriver vite, 4 ans, ça passe vite. Donc justement, quand on est déjà dedans, on regarde éventuellement ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on pourrait encore améliorer. Donc selon vous, quelle marge de manœuvre a encore la Guadeloupe pour pouvoir améliorer ce qu'on pourrait proposer sur la prochaine route du Rhum? La route du Rhum est un événement tellement exceptionnel et je peux vous dire qu'on a cette chance d'avoir la route du Rhum chez nous parce que tous les pays se l'arrachent. Hein. Tout le monde aurait souhaité avoir cette route du Rhum. C'est un événement qui met de la visibilité sur notre territoire et nous avons les médias qui jouent le jeu. Hein. Canal 10 joue le jeu pour relayer l'information, pour que les Guadeloupéens et ceux qui nous regardent vivent au jour le jour cette route du Rhum. Le président Ary Chalus, je peux vous dire, il a travaillé dans ce sens pour que la route du Rhum reste à la Guadeloupe, d'où le nom, la route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est une marque déposée, ça veut dire que c'est vraiment une alliance entre les Malouins et les Guadeloupéens. Et donc, oui, on sait que cette année, c'est une année exceptionnelle. On attend 2 millions de visiteurs. Je peux vous dire qu'on a vraiment l'impression qu'on a déjà atteint les 2 millions parce qu'il y a une foule énorme.
que ce soit à l'intérieur du village, mais même autour, parce qu'il y a de la vie à Saint-Malo. Et nous souhaitons bien sûr que cette effervescence soit aussi en Guadeloupe. Et donc, la route du Rhum a de beaux jours devant elle. Hein. Et donc, on va continuer à travailler pour toujours garder cette effervescence, cette ferveur populaire qu'est la route du Rhum. Et on sait très bien que la Guadeloupe a toutes les capacités pour faire avancer les choses au mieux. Merci beaucoup, Sheila Rampat. Oui, vous voulez rajouter un petit mot? Non, je disais qu'en fait, c'est aussi vraiment un événement qui met, où on injecte plus de 6,5 millions sont injectés dans l'économie de la Guadeloupe. Nous avons eu aussi plus de 5000 visiteurs en Guadeloupe et nous pensons vraiment que pour cette année, on va crescendo. Donc automatiquement, les prochaines routes du Rhum, ça sera encore meilleur. Mais là, on doit vivre pleinement notre route du Rhum. Et je demande aux Guadeloupéens de vivre pleinement la route du Rhum. Les skippers nous font rêver. Rêvons. Merci beaucoup, Sheila Rampat, pour toutes ces belles précisions. Et tout de suite, on va enchaîner avec Jean-Marie Pilly, qui va nous montrer aussi un autre regard sur cette route du Rhum 2022. Voilà, ça y est, il est installé, il est arrivé. Donc, Jean-Marie Pilly, bonjour. Bonjour à tous. Alors, il est président de la commission handicap à la région? Oui, je suis président de la commission extra-régionale chargée des personnes handicapées à la région Guadeloupe. Voilà, et donc présent également sur cette route du Rhum. Comme vous nous le disiez tout à l'heure, c'est quand même un événement particulier pour vous que vous vivez tous les 4 ans. Oui, c'est un événement particulier pour moi à titre personnel parce que je suis un vrai voileux. J'ai fait de la voile toute ma vie, mais aussi parce que on voit émerger depuis quelques années, et cela en particulier grâce à Damien Seguin qui a été un pionnier, des personnes en situation de handicap. Alors moi, je n'aime pas dire des personnes en situation de handicap parce que ça peut être perçu comme quelque chose de... Comment dire ça, comme un frein. Je préfère dire des personnes moins valides. Et on les voit émerger sur des sports comme cela. Et pour le coup, Damien Seguin, quand il est sur son bateau qui n'a aucun aménagement particulier, il est meilleur que beaucoup d'autres qui sont valides. Alors, on ne va pas lancer la polémique, mais chacun d'entre nous pourra se dire que l'handicap, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent et qui est freinant. C'est juste... quelque chose sur lequel on doit s'adapter pour évoluer. Le milieu de la voile, justement, serait propice à l'intégration, justement, ou même, on va dire, permettre en tout cas à ces athlètes de pouvoir s'exprimer, parce que vous parliez de Damien Seguin, mais ce n'est pas le seul aujourd'hui sur cette route du Rhum. Vous nous disiez aussi, vous avez fait un peu le tour, et on se rend compte qu'il y a pas mal, du coup, d'athlètes qui sont présents et qui sont là pour défendre les couleurs de leur pays. Bien sûr, ce sont même des amis. Il y a Pierre-Yves, il y a Fabrice, il y a Zou. Moi, j'étais avec Zou hier sur son bateau. On a fait un direct avec une télévision en Chine, avec 20 millions de téléspectateurs. Zou, c'est une star absolue chez lui en Chine. C'est l'équivalent de Tabarly, de François Gabart. C'est l'équivalent d'un Damien Seguin. Il a gagné les Jeux paralympiques. J'étais en direct avec le maire de sa ville natale qui veut créer des contacts avec la Guadeloupe. Et c'est ça tout l'intérêt de la route du Rhum. C'est-à-dire que la route du Rhum, c'est une vitrine exceptionnelle sur ce qu'on a à proposer en Guadeloupe, mais dans l'ensemble de notre archipel. Et nous, aujourd'hui, à la région, on travaille véritablement à développer ces métiers de la mer, ces métiers liés au tourisme, au nautique, mais aussi à l'handitourisme, à travers plusieurs filières. Donc c'est un vrai potentiel. On en est qu'au début et on va aller vers des choses extraordinaires dans les années à venir. Est-ce que sur cette route du Rhum, on a aussi, même quand on circule dans les allées de ce village, on voit qu'il y a beaucoup de personnes aussi à mobilité réduite qui peuvent profiter de ce village, qui sont là, qui vivent cet événement, tout comme les autres aussi. Et est-ce que nous aussi en Guadeloupe, ça sera ouvert à tous et ils pourront aussi en profiter sans sentir de frein? On sait que parfois, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors,
La route du Rhum, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai pas d'explication sur ce sujet. Je crois que de tous les événements sur lesquels j'ai eu la chance d'aller dans ma vie, c'est à la route du Rhum que je vois le plus de personnes qui viennent découvrir cet univers-là et qui sont en fauteuil. C'est vrai que les fauteuils roulants, c'est beaucoup plus visible comme handicap et ça parle beaucoup plus, mais c'est vraiment un événement qui est lié directement au handicap. J'ai une raison à cela. En fait, la mer, et il faut qu'on le sache, et il faut que les Guadeloupéens le sachent, la mer, pour une personne qui est porteuse de handicap, et c'est mon cas, c'est un endroit où on s'évade. Parce que, en fait, son corps devient léger, on se retrouve un petit peu en apesanteur, donc du coup, on peut prendre beaucoup de recul par rapport aux différentes séquelles, aux différentes difficultés qu'on peut avoir. Alors, je pense que, véritablement, la mer, c'est quelque chose qui fait... Le monde de la mer, c'est quelque chose qui fait rêver cette communauté dont je fais partie. Et puis, avec ces grands champions, aujourd'hui, clairement, les gens s'identifient, même les enfants, c'est extraordinaire. J'ai fait une séance de signature avec Damien hier, c'était incroyable, les enfants connaissent son nom, ils oublient complètement son handicap. C'est prodigieux. Moi, je connais un petit peu ça parce que je vais dans des écoles présenter des choses et tout, mais là, on se rend vraiment compte de l'importance que l'on a maintenant dans le changement et dans ce regard différent que l'on a. Vous parliez tout à l'heure des métiers autour de la voile, autour de cet univers. Est-ce que justement, vous qui êtes donc responsable de cette commission, on peut aussi avoir cette intégration au niveau des métiers autour de la mer qui sont proposés, se dire aussi qu'ils sont accessibles aux personnes porteuses de handicap. Ça aussi, c'est une volonté, c'est une orientation à prendre. Alors, vous prêchez un convaincu parce que la première chose que j'ai validée à la région, c'est l'accessibilité à la mer, en fait, à travers un vaste programme pour rendre les plages accessibles avec une place de parking handicapé, un endroit pour se déshabiller à l'abri du regard, un tapis pour aller jusqu'à la mer et un tir à l'eau. Et ça ne s'applique pas uniquement aux personnes porteuses de handicap, c'est à l'ensemble de nos compatriotes. Parce que nous tous, quand nous serons vieux et qu'on voudra aller prendre un petit bain de mer, vous savez, au début d'année, le petit bain démarré qu'on va prendre là, eh bien, à un moment donné, c'est nos enfants qui nous mettent dans l'eau. Donc ce sont vraiment des choses qui s'appliquent à l'ensemble de notre population. Et puis concernant les métiers de la mer, oui, vraiment, nous avons... répertorier plus de 300 activités différentes que nous pourrions créer. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'adore ça. En plus, la mer et toutes ces activités-là. On peut faire des scooters des mers adaptés pour les personnes handicapées. Évidemment, tout ce qui touche à la voile, toute la partie inclusion, c'est-à-dire au sein même d'une plage avec des tapis, des choses comme ça. On a des années de travail, mais croyez-moi, nous ne sommes pas si en retard que ça. Et nous sommes en train de combler leur retard. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique de la part du président de région qui a créé cette commission parce qu'elle n'existait pas, parce que c'est une commission particulière dans laquelle il y a des élus et des bénévoles. C'est suffisamment rare pour le dire. J'ai souhaité cela et le président de région aussi l'a souhaité. Et il y a une vraie volonté. Alors, on est en train de rattraper le retard que l'on avait. Tout n'est pas parfait, je le reconnais, mais il n'y a aucun monde où tout est parfait de toute manière. Sur cette route du Rhum, est-ce que du coup vous avez, vous qui aimez la voile, qui avez baigné dans ce milieu, du coup est-ce que vous avez un favori, quelqu'un que vous allez suivre particulièrement sur cette traversée? Je crois que pour avoir eu la chance de faire de la voile et connaître tous les dangers qu'il y a, sincèrement ils sont tous dans mon cœur parce que ils vont au-devant de forces de la nature qu'on ne peut pas contrôler. Il faut avoir un grand respect pour eux. Évidemment que ces pilotes, alors je les appelle des pilotes, vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Ces skippers qui poussent leur machine dans les derniers retranchements et qui sont livrés seuls à eux-mêmes. J'ai tous mes compatriotes guadeloupéens, je suis allé les voir. Vous savez, moi, je suis ici, je commence à travailler à 7h le matin. Je n'arrête jamais avant minuit. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Ok ? Tout le monde pourra vous le dire. Je vais voir les skippers sur leur bateau le matin à 7h. Je parle avec eux parce que c'est un monde que je connais bien. On partage des choses en commun. J'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre eux. Je sais toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer. J'ai juste hâte qu'ils arrivent tous sereins.
Je serai sur la mer pour les attendre. J'ai pris cet engagement vis-à-vis d'eux. Je me suis acheté un petit bateau pour aller à leur rencontre parce que cette année, c'est particulier. Mais oui, les Guadeloupéens, tous à leur niveau, ils vont réaliser une performance parce que déjà, arriver à monter un budget, arriver à être au départ, c'est une performance. Et puis, se lancer comme ça tout seul, on leur doit un grand respect et tous les Guadeloupéens doivent être présents autour de nos skippers. Vraiment, même si encore aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de gagner la Route du Rhum, on y travaille, la région aide ses skippers, elle leur permet de pouvoir rayonner dans toute cette région. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec les financeurs de la région Bretagne pour leur dire il faut aussi que vous aidiez les Guadeloupéens parce que c'est la Route du Rhum destination Guadeloupe, donc vous êtes directement concernés par ça. Donc c'est le travail qu'on essaye de faire aujourd'hui. Alors oui, tous les Guadeloupéens seront dans mon cœur, mais c'est tous les skippers qui seront dans mon cœur, à vrai dire. Merci beaucoup Jean-Marie Pili pour toutes ces belles précisions. Et donc on vous retrouve bien sûr en Guadeloupe également à l'arrivée sur votre petit bateau. Sur mon petit bateau, c'est vrai, je vous garantis que c'est vrai. J'ai même Damien Seguin qui avait un petit problème d'assistance et qui m'a dit est-ce que je peux réquisitionner ton bateau. Je lui ai dit oui, mais si je suis dans un petit coin sur le bateau quand même. Voilà, en tout cas, merci à nos deux représentants de la région de venir nous porter toutes ces informations précieuses sur l'accompagnement et l'investissement de la région Guadeloupe sur cette Route du Rhum. On va continuer avec le chef Riche qui va nous proposer une recette cet après-midi comme prévu. Et puis, bien sûr, d'autres rendez-vous à venir sur cette Route du Rhum. Alors, bonjour, je vous présente Jean-René Le Riche. Chef cuisinier, chef pâtissier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette avec Monsieur Johnny, jeune talent pays 2022. Et on a aussi nos amis de Créole Momo. Salut, salut. Parce que nous plavons être Créole Momo. C'est clair. Et donc, du coup, là, bon, on va partir sur un migan. Donc, on a un migan de fruits à pain. Ok. On a un migan de fruits à pain. Regardez. Regardez-moi ça. On va servir ça avec un homme siri au poumon végétarien. Ensuite, on a un petit avocat qu'on va mettre pour un peu de déco. Et bien sûr, le lambi. Donc, le lambi a déjà été pré-cuit. Donc, c'est déjà la saison du lambi en ce moment en plus. Donc, on a nettoyé notre lambi, on a battu. Et là maintenant, on va découper en lamelles pour le faire revenir. Donc je vais mettre dans une petite poêle, je vais mettre un petit peu de sauce d'ambesson avec un peu de sauce kéoli. Je vais mettre ça pour moi un tout petit peu. Donc tout le pot et deux cuillères. Ouais, on met à revenir. Merci. Une minute aussi. Qu'est-ce qu'on se fait là? C'est pareil. On a le président de région qui... On a un direct de Canal 10 là. Oui. Donc on est en direct. Donc ce plat de migan va être fait pour le président de région. Donc du coup, on est en direct, président de Canal 10. Il y a du lambi. Non, il y avait mieux que là. Ah oui, le lambi l'étonne, le lambi l'adou. Avant de lambi là, j'aurais mis gala, j'ai aussi tiré. Donc la nuit de sauce. Ah oui, vous faites gros, mais il faut quand même gastronomie quand même, il faut être belle quand même. Non, mais on va être ici pour sortir la bouche à lambi gala. Okay. Regardez, c'est pour bien ça, regardez. Bien voir. Donc on va découper en fines lamelles. Parce qu'on va quand même rester quelque chose d'assez raffiné. Hein. Même si on va servir un bon plat bien. Qui mange bien en tout cas. Hein. Qui mange bien, oui. Local, mais quand même. Ça, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même. On a de super beaux produits, super beaux plats. Mais moi je trouve que c'est mieux de pouvoir
bien les présenter pour qu'on ait pas seulement un peu de, on va ajouter un peu de persil. Donc je disais que c'est bien d'avoir, parce que nos plats quand même sont quand même extraordinaires. Et moi je trouve que moi je mets un point d'honneur à vraiment avoir de belles découpes. Par exemple le migan, on les a découpés de manière régulière. Le lambi, là regardez, je fais de belles lamelles pour quelque chose de bien régulier. Pouvoir poser dans l'assiette pour que ça soit quand même visuellement agréable, hein, parce que bon, c'est très facile à mâcher en fait. Voilà, tiens, je vais goûter ça. Goûte moi ça. Je fais goûter. Oh, allez, je fais goûter en direct à ce monsieur. Oh monsieur, quel moment bon. Toujours goûter pour ça, c'est bon. Hein. Oh. Normalement, ça fond et normalement. Là, et là, il est juste pré-cuit. Là, on n'a même pas encore snack et tout ça. Dans on n'a même pas encore fini la cuisson. Donc là, amis, là il y a de la bonne cuisine là. Regardez ça, il y a, ah, vous voyez, ça sent bon, il y a des gens qui viennent là, oh là, là. Ça sent bon, hein. Donc là maintenant on va rajouter notre lambi coupé en fines lamelles, hein. Avec tout le jus, hein. C'est très très important, donc je suppose que ceux qui nous regardent le savent, c'est très important de garder le jus de cuisson. Alors messieurs dames, vous connaissez le lambi? Le lambi, c'est l'un des mollusques les plus prisés aux Antilles, en Guadeloupe, hein, précisément. Et là, nous allons faire un lambi au lait de coco. Donc là... Ça sent trop bon, ça sent super. Ah, ça sent bon. Ah, très bon, bien. Donc là, nous allons faire revenir notre lambi avec notre belle sauce créoline. Voilà. On en rajoute encore un petit peu. On va rajouter un petit peu encore. C'est quoi ça? Ça, c'est de la sauce créoline. Ça pique un tout petit peu. Ça pique un tout petit peu. Et on va rajouter ça pour donner du... Du peps aussi, un petit peu. Du peps. On va... Regardez ça, les amis. Waouh. Wow. Il est bien amusé. Ah, ben oui. C'est cool. Ah, ça donne envie, hein. On va mettre le feu à fond. Thermostat, ouais. On va mettre à fond pour avoir quelque chose de bien. Et bien beau. Donc du coup, alors le secret dans le lambi, c'est vraiment de garder le jus de cuisson. C'est super super important. Oh, regardez, vous voyez là, caméra, vous voyez. Attendez madame, hein. Oui. Donc comme vous voyez, on est en plein Saint-Malo, les gens, la cuisine est ouverte. Ils découvrent le lambi, tout ça. Passer un coup dessus pour moi. Aïe aïe aïe. Et vous n'hésitez pas seulement bon pour toutes les bonnes adresses. Donc là, regardez, donc là. Le lambi est en train de. De chantonner là. Maintenant on va rajouter. Regardez. Donc je vous invite à venir avec la caméra. Venez avec la caméra. Donc là, regardez. On va rajouter lait de coco là, comme ça dessus. Ça chantonne, c'est beau. Vous voyez ça? Et on va rajouter le jus de cuisson du lambi. Là, comme ça, là. Ah la vache! C'est une tuerie ça. Ah oui, oui. Vous voyez, donc là, on va laisser ça tranquillement là. Mijoter tranquillement et on va passer sur notre dressage. Donc on va passer sur, on va mettre nos assiettes parce que là on est en direct et on va proposer ce plat mais au comité de la région Guadeloupe, hein, qui sont là. Donc on a le président de région, toute son équipe qui allons manger. On a aussi nos amis de Creole Momo qui vont aussi déguster, hein. Parce qu'il faut savoir que c'est un média qui, justement, promotionne les bons plans, les bons restos de Guadeloupe. Et un peu d'ailleurs aussi. Voilà, c'est ça. Parce que des Antilles. Voilà. Parce qu'ils bougent quand même un peu partout. Et donc, du coup, voilà. On va essayer de faire quelque chose de bien joli.
sont 10. Guillaume, 10. Donc on va faire 10 plats. Et on va faire un plat pour un bon supporter à nous. On est déjà. Parce qu'on a des gens qui nous. On a beaucoup de gens qui nous supportent. C'est très important justement, parce que je suppose qu'il y a des gens de la Guadeloupe qui nous regardent. Moi en tout cas, moi je vous remercie parce que vous me supportez, vous nous supportez. Et ça qui nous permet d'aller plus loin. Donc je vous remercie mille fois. La Guadeloupe et les Guadeloupéens. Bon alors, nous allons. Donc je vais donner le rôle à mon acolyte. On va mettre le migant. Deux bonnes louchées de migant. Là comme ça. Allez. Alors c'est du fruit à pain les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. Le migant, ouais, c'est à base de fruits à pain. Ok. On va bien leur servir pour bien manger. Ensuite, on va venir rajouter à notre migant. Ça arrive, alors ils sont impatients, hein, parce que l'on est en train de faire les plats en direct. Ah là là, regardez-les, sur le côté là, ils sont impatients. Les gens sont impatients là, ils sont sous les sardines blocs là, ils attendent que ça. Oui, ce migant un peu revisité avec. C'est vrai, c'est d'amour, c'est de l'amour et aussi de la morue. Hein. De l'amour, donc du coup, on va rajouter. De l'avocat pli, bien sûr. De l'avocat. Avocat tropical. Donc du coup, on va essayer de rester sur un plat qui est quand même assez... On va essayer de rester... Faut bien rester comme ça pour que ça soit bien joli. On va bien faire attention pour que ça reste bien joli. On va mettre des jeunes pousses de petits pois comme ça. On est presque à la fin donc de cette recette. Les plats sont en train d'être dressés. Donc il y a un migant de fruits à pain, du riz,
de l'avocat et le chef riche qui nous appelle. Regardez comment l'ambile est tendre là. Je pense que vous le voyez là. Donc on va acheter l'ambile ici, là, comme ça. Joliment. Et voilà, je vous le mets en face là pour vous y voir. Regardez-moi ça. Ça donne ça le plat. Après donc la préparation des plats, on commence donc le service. Et donc on les accompagne pour le service des plats. Le président de région qui est donc servi après cette préparation. Il a droit donc aux explications pour savoir ce que contient son assiette. Et donc, il va pouvoir expérimenter ce repas. Pas encore... Et donc, on va pouvoir... avoir donc son ressenti. Fait par notre chef cuisinier. Jean-René le Riche et les deux jeunes qui sont avec lui. Voilà. Et nous allons déjeuner parce que j'ai une équipe qui travaille énormément. Assez toi, Luxé. Je préfère qu'ils mangent avant moi. L'esprit du sacrifice. Ah non, c'est pas sacrifice, c'est collaboration, la solidarité entre nous, voilà. Ils font du bon travail, ils ont beaucoup travaillé pour cette organisation. Les gens sont heureux, les gens sont contents. Il faut aussi qu'ils mangent à un certain moment. Voilà. Je veille à cela. Très bien, Monsieur le Président. Mais en tout cas, au-delà de ça, votre sentiment sur le plat du jour? Eh bien, c'est magnifique. Vous savez, Jean-René Léry, c'est un jeune que je connais depuis très longtemps, que j'ai beaucoup accompagné. Non, je le considère même comme un petit frère. Et ça me fait plaisir de voir un peu la manière qu'il avance dans la vie, ce qu'il veut, ses objectifs. Et aujourd'hui, il accompagne deux jeunes cuisiniers. Cela veut dire qu'il transmet un peu ses connaissances, sa capacité. Donc c'est une très belle chose. Ça fait plaisir de voir un peu, effectivement, il ne retient pas les informations. Au contraire, il les accompagne, il les pousse à devenir demain des grands chefs cuisiniers pour la Guadeloupe. On va venir vous retrouver dans quelques minutes après votre dégustation et vous allez nous donner votre sentiment sur le plat que vous venez de manger. Moi, on n'est pas là en dégustation, on est là pour manger. Dégustation, c'est goûter. La nomine de manger, c'est type à l'appétit. On va nous manger 4 plats comme ça pour faire nos plats. Pour travailler, nous travaillons, on va nous manger aussi. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve juste après, donc pas la dégustation, mais le repas de monsieur. Ah mais oui, mais il doit manger aussi normalement. Il va manger aussi normalement. Alors, donc monsieur le maire, vous aussi, vous attendez votre plat?
Non, pas spécialement. Non, là, maintenant, il se fait un petit peu tard où je vais me reposer. Mais je suis satisfait de ce qui se passe aujourd'hui sur Saint-Malo parce que à une semaine du départ de la route du Rhum, la pollution est déjà à son paroxysme. Alors, je suis en train de me dire, qu'est-ce que ce sera dimanche? Les spécialistes ont annoncé 10 millions de spectateurs, 2 millions de spectateurs, pardon. Mais j'ai l'intime conviction qu'on risque de dépasser ce niveau-là. Alors si sur les 2 millions, on en a le quart en Guadeloupe, c'est banco. C'est vrai que c'est un très très bel événement. On se rend compte depuis plus d'une semaine. Il reste encore une semaine. Et c'est vrai que les visiteurs affluent tous les jours. Et moi, je compte une télévision au Canal 10 parce que je vais voir. Très regardé en Guadeloupe. Bravo. Je pense qu'il faut démystifier les choses. À un certain moment, on a décrit la route du Rhum. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes, mais un événement comme la route du Rhum, c'est un événement qui mérite d'être connu par les Guadeloupéens. Il y a une dimension beaucoup plus importante. Parce que quand on voit la population qui est sur la route du Rhum, quand on voit le nombre de télévisions qui couvrent la route du Rhum, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Australiens qui viennent sur la route du Rhum. On se dit, s'il fallait faire une projection sur des années futures, on n'aura pas la capacité d'accueillir en Guadeloupe, en tout cas, les skippers, parce qu'on est à 138, ça voudrait dire qu'on pourrait facilement atteindre les 200, les 250. Et c'est pas du délire, c'est une réalité. Quand on dit que la Chine participe à la route du Rhum, imaginez le nombre de Chinois qu'il y a, les Chinois qui pourraient tenter l'expérience, eh ben, on est vite débordé. Les Japonais, non, c'est un événement qui est devenu vraiment quelque chose de planétaire aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous, en tant que Guadeloupéens, hôteliers, commerçants, artisans et autres, de pouvoir tirer profit de cet événement-là. Parce que sincèrement, c'est un événement qui a dépassé tous les frontières. Toutes les frontières. Merci beaucoup. Et donc, le service est fait. Et donc, on va laisser le chef Le Riche donc présenter son plat au président. Non, malheureusement, un cuillère. Attends, je j'arrive. Voilà, donc c'est fait, donc le service est fait. Satisfait d'avoir pu assurer ce service express. Express, oui, oui, satisfait, oui. Okay. Mais j'espère que le président va aimer, on va avoir son verdict. Je sais qu'il est très dur. Attendez. S'il y a passé de l'ambi, c'est que c'est bon. S'il y a passé de l'ambi, c'est que c'est bon. S'il y a passé de l'ambi, c'est que c'est bon. Mais il a déjà... Il tonne même l'ambi là, mais il a passé. Ok, d'accord. Je vais chez lui pour le président. D'accord, très bien. Il a dit qu'il faut au moins 4 assiettes. Hein. Quatre assiettes. Donc, okay, d'accord. Voilà. 4 par personne. Nous, les Guadeloupéens, on travaille dur, on mange dur. Ok, président. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec le chef Riche, avec le président également. Et nous, bien sûr, on se retrouve très vite dans cette route du Rhum. On n'a pas tout le matériel pour recevoir. Hexagone, actualité. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News.